Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est de retour après deux petites pauses musicales. On s'est perfectionné, je vais dire ça, dans la préparation de l'émission. Aujourd'hui, comme je vous le disais, dans Tendance Déco jusqu'à 14h, Amandine Paré qui est avec moi. Tout va bien, on est bien, on a chaud. On est très bien, on est au chaud dans le studio. Donc comme je vous le disais, vous avez, chers auditeurs et chères auditrices, eu le temps d'attraper de quoi noter pour finalement pouvoir écrire, noter, pour se rappeler. On va vous faire découvrir dans cette première partie d'émission le métier de décorateur, décoratrice d'intérieur. Alors, aussi loin qu'on puisse remonter dans cette explication, un décorateur... On va parler de décoratrice d'intérieur parce que là, finalement, on est en majorité des filles quand même. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, une décoratrice d'intérieur, qu'est-ce que c'est au final? Alors, vous allez me dire, c'est une question bête, mais beaucoup de personnes se posent la question. Oui, quelle est l'étendue de sa mission? Finalement, quel est l'intérêt de faire appel à un décorateur d'intérieur? Finalement, c'est ça. Ouais, parce que, un décorateur d'intérieur, ça décore. Ouais. Ah bon, et c'est un métier. C'est un métier. Parce que quand on travaille un projet de décoration, il faut avoir quand même certaines connaissances, certaines compétences. Et, il faut ressentir les choses. Ouais. Et puis, on va avoir aussi cet œil extérieur et neuf que n'a pas... l'habitant et l'occupant d'une maison ou d'un appartement. Donc, à quel moment, finalement, on va faire appel à une décoratrice d'intérieur? Eh bien, à partir du moment où on a un projet, on a envie de mettre en route un projet, de retravailler son espace, de retravailler sa pièce, par exemple, un salon, une chambre. Oui. Une habitation entière ou simplement un petit espace, ça peut être aménager un coin bureau, hein, parce fait. Qu'avec les différents confinements qu'on a eu et la mise en place du télétravail, on a eu pas mal de demandes. Tout à fait. Pour créer finalement chez les clients, arriver à dégager un espace dédié au travail à la maison. Ouais. Un vrai espace, c'est ça. Parce que c'est important, on va y revenir après, mais c'est important d'avoir un endroit dans lequel on se sent bien. Oui, où on peut se concentrer. Aussi, tout à fait. Et dédié, vraiment, C'est ça. On dit en décoration, un espace, une fonction. Exactement, tout à fait. Tu vois, c'est exactement ça. C'est finalement arriver à se dire, on a un espace, une fonction. Chaque endroit a vraiment son rôle à jouer. Et c'est souvent... ça parle souvent quand on arrive chez des personnes qui ont une pièce dans laquelle il y a un salon, une salle à manger, une télé, mais sans que les espaces soient structurés. Oui, soient définis. Ouais, exactement. Ouais. On arrive et finalement, on a, c'est vrai, cet œil extérieur, c'est comme ça. Tu disais, cet œil un peu professionnel finalement, nous, on va se dire effectivement que il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'aménagement de l'espace, réorganiser l'espace de manière à ce que ce soit plus fluide, plus harmonieux, et effectivement en fonction de ce que les clients souhaitent, souhaitent pour leur intérieur. Oui, c'est un échange entre le client qui habite dans les lieux, que ce soit d'ailleurs des espaces de vie ou des espaces de travail. Tout à fait. Parce qu'à partir du moment où on a un espace professionnel particulier, une maison, un bureau, un commerce, c'est ça. De coiffure, même chez les professionnels, les métiers de bouche également, les restaurants, les boucheries, c'est très large, pâtisserie. On intervient dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Donc je me suis un petit peu écartée. Hein. Non, pas du tout. On parlait. Ah non, pas du tout, parce que justement, ça complète complètement ce que tu dis à l'instant, ça complète parfaitement. Qu'est-ce que fait un décorateur, une décoratrice d'intérieur? Et ça peut paraître, encore une fois, être une question bête. Parce qu'un décorateur d'intérieur, on se doute bien qu'on ne va pas aller le voir pour se faire couper les cheveux. néanmoins, il y a souvent des personnes
qui vont avoir plutôt la question de savoir quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, qu'est-ce que je vais avoir finalement en échange des services d'une décoratrice d'intérieur. Et oui, parce que notre lieu de vie, là je vais me centrer plutôt sur le lieu de vie, c'est vraiment notre refuge. Oui. Et c'est le reflet de notre personnalité. Et pour ça, il est primordial en fait qui nous ressemble. Et ça, tout le monde n'a pas la faculté d'arriver à travailler son intérieur pour qu'il soit en corrélation, en harmonie, en lien avec soi. Et quelquefois, c'est une notion peut-être abstraite pour beaucoup d'entre nous, mais vu que notre intérieur est une extension de nous-mêmes, pour être bien dans sa vie, pour être bien, se sentir bien, il faut être bien chez soi. Tout à fait. Et c'est primordial. C'est ça. Et on travaille là-dessus. Et on fait des intérieurs, on travaille les intérieurs de manière à ce que les gens soient en osmose avec leur intérieur. Voilà. Tout Donc à on fait. On va remplir la boîte. Finalement, c'est ça. Si on veut parler de manière imagée. Voilà, on remplit la boîte. On va travailler les sols, les revêtements muraux, la couleur, parce que la couleur est primordiale. Oui. Les matériaux, les matières, les accessoires de décoration. Le mobilier. Le mobilier, tout à fait. Et également la lumière. Oui, la très lumière. Important. L'éclairage, c'est très important. Et je vais même dire que, je vais pas dire que c'est le plus important, quand même pas. Tout est le plus important, mais ça peut changer beaucoup de choses. En fait, voilà, on peut faire la plus belle décoration qui soit, qui existe, bon, sans éclairage approprié, sans lumière qui vient mettre en valeur la décoration c'est un échec. Il faut travailler la lumière parce qu'on a l'éclairage fonctionnel qui va éclairer la pièce c'est un besoin, mais après on va avoir on va travailler aussi l'éclairage technique pour les différentes tâches à faire, qu'un éclairage beaucoup plus blanc bleu et l'éclairage d'ambiance pour réchauffer et rendre un plus et chaleureux souligner. Ouais. Oui, tout à fait, mettre en valeur. C'est ça. Et réchauffer un salon par exemple. Un coin lecture On s'y voit, là. En plus, avec le temps qui fait, on s'y voit. Oui, bah oui, le temps. Du coup, c'est ce que j'allais dire. En fait, tout à l'heure, tu parlais de refuge, et c'est le mot, et encore plus à cette période. Ouais. Quand il commence à faire froid, quand on n'a qu'une envie, c'est de rentrer, de se faire un thé. Ouais. C'est justement, on va vite rentrer chez soi. Ouais. Si en plus, en rentrant chez soi, on s'y sent parfaitement bien. Et oui. Bah là, c'est vraiment le refuge. C'est ça. C'est le cocon. C'est le cocon. C'est le nid douillet où on se sent bien, on se sent bien entouré. C'est essentiel. C'est essentiel. Alors, et nous, c'est ce qui nous fait vibrer de travailler ça. Exactement. On a choisi ces métiers parce qu'on aimait tellement faire ça qu'on ne pouvait pas faire ça chez nous tout le temps. Donc, on s'est dit, on va le faire chez les autres. Mais en tout cas, la notion d'œil extérieur aussi est importante pour en revenir au métier du décorateur et de la décoratrice. Cette notion d'œil extérieur est importante puisque, au final, quand on. Tu vas probablement approuver ce que je dis, mais des fois, on arrive chez des personnes qui sont un peu perdues à se demander j'aime bien ça, et puis j'aime bien ça, et puis j'aime bien ça, mais au final, on va tout mettre dans la marmite. Tout à fait. Et puis on va secouer tout ça, et nous, avec un œil pro et structuré, on va leur sortir un projet. Ouais. Enfin, le décorateur va sortir un projet personnalisé. Ouais, tout à fait. Parce que oui, ce que tu disais, les gens aiment un peu, ont vu quelque chose à un endroit, autre chose à un autre, et finalement ont plein d'idées, mais tout ça forme un espèce de nuage et ils sont complètement perdus à se dire oui, mais est-ce que je vais pouvoir associer ça avec ça, avec ça, avec ça, je suis perdue. Mais effectivement, à l'heure actuelle, avec toute
voilà, la décoration s'est démocratisée. Tous les magasins, même dans, au supermarché, on peut trouver de la décoration, c'est génial. Mais du coup, les gens se retrouvent perdus dans cette cette offre qui s'est multipliée. C'est ça. Donc en fait, nous, on va intervenir et on va justement trouver un fil conducteur, une marche à suivre, un fil conducteur pour recentrer tout ça et puis dérouler un projet qui soit harmonieux. On va définir une ligne de conduite. Alors là, le fil conducteur, j'aime bien toujours parler de fil conducteur, pour que le projet se déroule de manière harmonieuse et qu'on ait au final une décoration qui soit personnalisée et bah qui corresponde effectivement au client et harmonieuse et voilà et harmonieuse et harmonieuse surtout, je crois que ce mot revient souvent. Mais oui, parce que c'est essentiel, c'est important finalement finalement c'est les mots clés quand on fait un projet, quand on travaille ce projet, il faut que ce soit harmonieux et personnalisé. Voilà, bon, harmonieux, heureusement d'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire de le préciser? Mais harmonieux, oui, et puis surtout personnalisé. Et justement, on va apporter ça. C'est de personnaliser en fonction des gens qu'on a en face de nous, d'être dans une écoute active et proactive, et de pas faire un projet qu'on va retrouver dans n'importe quel magazine, mais vraiment avec cette écoute et de leur proposer quelque chose. Alors, pour le métier décorateur d'intérieur dans sa globalité et dans les grandes lignes, et pour conclure sur cette première partie avant d'attaquer le prochain thème qui est de parler de toi, puisque tu es décoratrice d'intérieur, juste pour finir en deux mots, un décorateur d'intérieur, vous pouvez appeler un professionnel de la décoration d'intérieur si vous avez un projet et que vous avez envie que ce soit harmonieux, avec un œil neuf, et que vous voulez surtout qu'il perdure dans le temps, puisque si vous faites des achats coup de cœur, eh bien, dans 6 mois, il y aura une nouvelle mode et ça va repartir comme avant. Si vous voulez avoir un projet travaillé, construit à votre image et qui dure dans le temps, eh bien, voilà finalement quelle est la mission d'une décoratrice d'intérieur. C'est ça, très bien. Bien résumé. Bon, parfait. On se fait une petite coupure avec Bruno Mars. Et puis juste après, tu vas nous parler de toi, d'Amandine Paré et de AP Décoration. On se laisse une petite minute de pause et on se retrouve juste après sur le 92 points. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1 ou bien radiograndlac.com. Vous nous écoutez et on est en plein direct dans le studio pour l'émission Tendance Déco. C'est Jessica et je suis toujours en compagnie d'Amandine. On vous a parlé sur cette première partie d'émission du métier de décoratrice d'intérieur dans l'ensemble. Maintenant, on va parler d'Amandine qui est là pour nous faire découvrir son parcours. Ça va toujours, Amandine ? Oui, ça va très bien. Super bien, merci. Parfait. Alors, Amandine, tu es donc décoratrice d'intérieur. Oui. Tu veux bien nous expliquer ton parcours, comment tu as créé AP Décoration, nous faire vraiment découvrir ton univers. D'accord. Alors, je commence où exactement ? Où tu veux. Du lycée, du collège. Oui. Alors, où tu veux. Oui. Où tu veux. Où je veux. Bah, je vais commencer. Je vais partir de loin quand même. Allons-y. Parce que... C'est parti. On finit à 14h. Hein. Voilà. On va essayer de faire condenser. Mais en fait, moi, la décoration, ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours été créative. J'ai toujours dessiné. J'ai toujours, depuis toute petite, plus loin que je me souvienne, j'ai toujours créé dans ma chambre des espaces des espaces de vie. Je me faisais mes petites pièces que je décorais, je fabriquais des choses, voilà. Tes petits coins à toi. Ouais, voilà, c'est ça voilà, ma chambre, voilà, elle était décorée. J'ai toujours été sensible à ça. Voilà, j'ai ma maman qui était également très sensible créative à la décoration et créative. Voilà, donc je pense que les chiens font pas des chats. C'est ça.
Et puis, dans mon parcours d'études, en fait, je faisais du dessin en dehors de l'école. Et puis, quand il a fallu choisir une voie, c'est vrai que mes parents ne m'ont pas poussé forcément dans la voie de la décoration, parce que j'avais pas ce métier réellement de décorateur en tête. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait pas trop des décorateurs. Oui. Ça s'est démocratisé il y a quelques années. Mais voilà, j'aimais le design, j'aimais la création et la décoration. Donc en fait, mes parents m'ont dit plutôt, bah écoute, oriente-toi dans la comptabilité et tu feras ta décoration en hobby. Ok. Voilà. Rien à voir. Donc rien à voir. Voilà. Donc j'ai passé un bac compta, BTS, DECF. Donc exercé pendant une dizaine d'années la comptabilité et en 2015, enfin à peu près, je reviens en arrière, mais cycliquement tous les 3 ans je faisais une crise identitaire parce que me sentais pas à ma place en fait dans les chiffres, même si j'exerçais ce métier de manière professionnelle, voilà. Oui, bien sûr. Je sentais que je n'étais pas à ma place. Et en 2015, en fait, en 2014, même plus précisément, je me suis recentrée sur moi-même. Bon, il y a des événements de la vie qui ont fait que. Et en fait, en 2015, je suis partie me former à la décoration d'intérieur sur Paris, dans une école qui s'appelle MMI Décoration. Et j'ai fait un stage chez une architecte d'intérieur et j'ai lancé mon entreprise, donc en micro-entreprise, en août 2016. Donc voilà, je suis décoratrice d'intérieur depuis août 2016 et j'exerce j'étais basée à Laravoir. J'ai déménagé il y a un mois sur Drumétaz, mais voilà, j'exerce en Savoie, Haute-Savoie, Isère, voilà. Donc tu navigues pas mal, donc tu restes quand même sur le secteur. Tout à fait. Tu es donc revenue à tes premiers amours. Tout à fait, tout à fait. Je me suis recentrée. Et les événements de la vie ont fait que j'avais besoin d'avoir les pieds sur terre. Et en fait, je me suis dit, je me lance dans la déco, que ça marche ou pas, que ça fonctionne ou pas, j'avais besoin de me réaliser. Oui, c'est ça. Et d'essayer vraiment ce que tu voulais. Et en fait, j'ai tenté, ça a fonctionné. Et je pense qu'à partir du moment où on est passionné, où on fait un métier qui est vraiment en lien avec ce que l'on est, qui nous fait vibrer, et ben on rayonne et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que en fait les gens ressentent ça, tout simplement. C'est ça, parce que pour compléter avec ce que tu dis et puis la première partie, première, deuxième partie de cette émission. Oui. Au final, on travaille avec les gens et on fait un métier qui est humain avant tout. Et ce que tu dis, que les gens ressentent ça, effectivement, c'est la clé. Ouais. C'est la clé, vraiment. Ouais, complètement. Ouais, parce que oui, c'est un métier un peu. On est un peu fin psychologue. Hein, complètement. Dans la décoration, qu'il faut vraiment s'imprégner des gens, oui. Arriver à les comprendre, à les écouter, à les écouter, à les comprendre, pour arriver après à retranscrire ce qu'ils sont en décoration. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. Et on va, alors j'aime toujours à dire que on va partager un chapitre de leur vie et on rentre dans la vie des gens. Ah oui, et ce que tu dis, si en étant passionné, il faut être passionné et il faut être passionné pour faire ce métier. Oui, c'est sûr. Complètement. Ouais, ouais. C'est sûr. Il y a personne n'arrive dans ces métiers-là par hasard. C'est ça. Et la vocation quand même de départ, elle est là. Elle est là. Enfin, c'est vrai que souvent on a un parcours de vie qui fait qu'on n'a pas fait ça, parce que comme tu disais, en plus il y a quelques années, c'était même pas pensable, pensable dans le sens, c'est pas imaginable, mais comme tu disais, c'était un métier qui, je vais pas dire qui n'existait pas, mais qui était pas autant en vogue, en fait. C'était pas démocratisé, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà, cette voie artistique, elle est là, en fait. Et quand elle est là, et c'est tout, on peut pas la faire taire.
Eh ben oui, complètement. Donc tu l'as retrouvé, tu as récupéré ta voix artistique. C'est ça. Et ça, c'est une chouette. C'est ça. C'est une chouette chose. Ouais, ouais. Donc tu as créé AP Décoration. Alors voilà, donc tout simplement, hein, mes initiales, Amandine Paré. Magnifique. AP Décoration, hein, j'ai fait simple. Mais c'est bien, la simplicité, c'est la clé. J'ai fait simple et voilà, je propose mes services. Alors je navigue, ce que tu disais sur les deux Savoie, Isère. Voilà, ah, tout à fait. Et je voilà, donc j'interviens, donc j'agence les espaces de vie et de travail, je repense les volumes, je meuble, je décore, je travaille la couleur et la lumière. Oui. Tout ça afin de créer l'osmose entre mes clients et leur lieu de vie, mais c'est aussi ça, leur lieu de travail. Tout à fait. Voilà. Alors, je propose deux prestations. La première, c'est la visite conseil. Donc, oui. Alors, la visite conseil, c'est intéressant. Du coup, ça fait un peu écho finalement aussi au premier thème, enfin au premier chapitre de l'émission. Pourquoi faire appel à un décorateur d'intérieur ? Ça peut être notamment pour cette demande-là. Tout à fait. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, en fait, la visite conseil, pour moi, elle consiste c'est un entretien à domicile qui dure environ 1h30 et ça permet de structurer un projet de décoration. Et ouais, je vais donner les pistes idéales pour permettre à mes clients de réaliser ce projet. On va résoudre une problématique d'agencement, harmoniser l'existant, optimiser les espaces et mettre en valeur les volumes. Également, je vais orienter sur le choix des couleurs, des revêtements, muraux, sol, le mobilier, les luminaires, les accessoires de décoration. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est un entretien d'1h30 qui permet, comme je disais tout à l'heure, de finalement avoir ce fil conducteur pour que les clients se lancent, voilà, dans leur projet de décoration. Donc c'est bien, ça peut être une façon de les mettre sur les rails. Et ça tout peut à être fait. Voilà. Quelquefois, les gens me font venir et me disent, j'ai plein d'idées, je voudrais juste, mais je ne sais pas comment, dans quelle direction partir. Donc en fait, on recentre les choses pendant cette visite et ils peuvent après. Voilà, ils ont les clés comme des grands pour faire leur projet. Ou alors, ils ne peuvent pas, malgré tout. Et ensuite, oui, du coup, voilà, il y a une autre prestation, certainement. Tout à fait. Je propose également un projet complet de décoration. Alors, effectivement, quelquefois, la visite conseil, en général, quand les gens m'appellent, je leur explique quelles sont mes deux prestations. Et on va voir en fonction de leurs besoins si on s'oriente vers la visite conseil ou vers le projet complet de décoration. Dans la plupart des cas, quand je les oriente sur une visite conseil, la visite conseil suffit. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, quelquefois, ça ne suffit pas et il faut aller plus loin. Et donc là, c'est le projet complet de décoration. Donc, le projet complet de décoration, dans le projet complet de décoration, là, c'est moi qui vais gérer tout ce qu'on appelle l'avant-projet, tout l'avant-projet de décoration. On part de la planche d'ambiance en passant par la modélisation 3D, les planches mobilier, les shopping lists, la conception de mobilier sur mesure et pour terminer, et tout ça en fait constitue un book que mes clients après ils le découvrent au fur et à mesure parce que je vais revenir dessus, mais en fait ils ont un book pour pouvoir après réaliser le projet avec des artisans puisque je les mets en relation avec des artisans. Je ne suis pas donc architecte dans le sens où je ne suis pas maître d'œuvre, je ne fais pas de réalisation, je ne fais pas de suivi de chantier, simplement je connais des artisans dans mon réseau qui réalisent le projet que j'ai travaillé avec les clients. En fait, je me vois comme un peu la continuité du client. Parce que, en fait, comment dire, le client n'a pas forcément d'idées ou a des idées. Moi, je vais concrétiser tout ça. Et en fait, je suis comme le client. Je suis l'idée du client aboutie pour qu'il puisse aller voir les artisans et faire le projet. Voilà. Donc, si je peux revenir sur un petit peu le déroulement, en fait, d'un projet. Projet. Super. Donc, pour un projet complet, on a un premier entretien qui va moi me permettre d'évaluer le temps que je vais passer sur le projet
Et ce temps-là va me permettre d'effectuer un devis. Parce qu'en fonction des projets, en fonction des clients, enfin, on peut pas donner un prix tout à fait comme ça à la volée. Donc il faut se pencher sur le projet, évaluer le temps qu'on va passer dessus, et j'établis un devis. Donc ce premier entretien est gratuit puisque le devis est gratuit. Quand le devis est signé, on a un deuxième entretien, et là on évalue les besoins, les envies, les goûts et le budget. Et là, je commence à travailler. Après cet entretien, je commence à travailler. Donc, je réalise d'abord ce qu'on appelle la planche d'ambiance. Alors, cette planche d'ambiance, c'est une planche où je fais figurer des matières, des matériaux, des couleurs, des visuels de style. Et le but est que le client puisse, dans un premier temps, se projeter dans l'atmosphère des lieux. On ne se projette pas dans l'espace, mais dans l'atmosphère. Et en fait, cette première étape, elle est primordiale parce qu'elle constitue finalement le point de départ et surtout le fil conducteur, je reviens là-dessus, qui va être le garant de la cohérence et de l'harmonie, encore une fois, l'harmonie du projet de déco, en fait, dans sa globalité. Une fois que la planche d'ambiance est validée par le client, parce que, voilà, en fonction de toutes les informations que j'ai pu obtenir du client, je vais travailler une ambiance, et quelquefois, bah, l'ambiance, elle match du premier coup, et certaines fois, il faut apporter quelques améliorations, on la modifie, et à partir du moment où elle est validée par le client, on passe à l'étape d'après, et dans l'étape d'après, je modélise en 3D l'espace ou les espaces pour que le client là, puisse se projeter dans son lieu de vie, dans son lieu de travail. Et parallèlement à la modélisation 3D, je fais ce qu'on appelle les planches mobilier. Donc, ce qu'on retrouve dans la modélisation, quelquefois, on n'a pas le mobilier exact, mais on se projette dans l'espace. Et donc, parallèlement, on a une planche mobilier avec la photo du mobilier, tout ça mobilier, luminaire, accessoires de décoration, matériaux, matières, et tout ça est numéroté. Et je fais également, parallèlement à ça, encore une liste shopping qui se réfère à la planche mobilier pour que les clients puissent aller faire leur achat. Shopping, exactement, leur shopping et réaliser le projet. Voilà. Quelquefois, on a besoin de concevoir du mobilier sur mesure aussi, parce qu'en fonction des projets, quelquefois dans des tout petits espaces, eh bien, le sur mesure est obligatoire. Non, rien n'est obligatoire, mais est plus adéquat. Voilà, plus adapté aussi. Plus adapté. Et quelquefois, partir sur du sur mesure n'est pas forcément plus cher en fonction des projets que un beau mobilier déjà construit, oui, entre voilà. guillemets, déjà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, en fonction, sur certains projets, je conçois le mobilier sur mesure, je fais des plans, des élévations, côté, ce qui permet donc aux artisans après d'effectuer des devis et pour réaliser le mobilier sur mesure. Voilà. Et donc, tout ça constitue un book. Donc, on a notre planche d'ambiance, notre modélisation 3D, notre planche mobilier, notre liste shopping, les éventuels plans d'aménagement de mobilier sur mesure. Tout ça constitue un book. Et ce book, c'est ce qu'on appelle l'avant-projet, voilà. qui va permettre aux clients de faire leur projet. De réaliser. Tout à fait. Leur projet. De faire réaliser. Projet qui leur correspond. Toujours. Qui leur ressemble. Et qui est personnalisé. Ouais. Et en harmonie. Toujours. Voilà. Super. Donc, cette étape-là, au final, elle est très importante pour des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui, voilà, c'est vrai, c'est ça, hein, on sait pas trop par quel bout y prendre et au ouais. final, on repousse parce que, ben, ça paraît être hyper compliqué, ça paraît être une montagne quand on n'est pas du métier. Donc, ouais. on se dit, bon, je sais pas faire, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Et le plus tard se transforme en longtemps, très longtemps, et voilà. Et on s'habitue après. Et on s'habitue. On s'habitue chez soi, on ne voit plus les choses, on n'arrive plus à prendre du voilà. recul. C'est justement l'avantage habitué. D'avoir un œil neuf et, voilà. Et de se dire, bah voilà, c'est quelqu'un. Ouais. Et puis l'œil neuf, ça veut pas dire voir les espaces différemment, ça veut dire aussi voir l'histoire du bien différemment. Parce que quand on occupe l'appartement ou la maison, on a le côté affectif de certaines choses qui font qu'on ne veut pas bousculer tout ça. Quoi. Donc, d'où le côté un peu psychologue ouais. que ouais, tu ouais. évoquais tout à l'heure, ouais. effectivement. Et puis, dans le...
dans cette démarche, l'idée, c'est pas d'imposer des choses, parce que tu parles du côté affectif, on veut pas bouger, on n'impose rien, tout à fait. On guide. Voilà, on va pas imposer un style en fonction de la mode du moment ou de ce qu'on aimerait nous voir à cette pour cet espace. C'est ça. Je pense que ça doit arriver. Ça arrive, c'est sûr, parce que moi j'ai déjà eu le cas de clients. C'est-à-dire qu'on va. On va proposer. On va proposer, et c'est vrai que la plupart du temps, en fait, on va proposer, toujours en restant en lien avec ce que souhaite le client, mais on va proposer, et quelquefois, en proposant, le client va se rendre compte que effectivement, ce regard neuf lui apporte à son intérieur, et que oui, finalement, il est prêt à modifier les choses. À modifier les choses, exactement. Alors, on se fait une petite coupure musicale. On va passer, il nous reste 15 bonnes minutes. On va faire aussi le focus sur les couleurs, le pouvoir des couleurs. Oui. Tu avais à cœur de nous parler de l'influence couleurs et de l'influence des couleurs. Donc on se fait une petite coupure toujours en pleine forme avec Elton John et Dua Lipa. Je sais, je la mets tout le temps, c'est pas grave. Ah, j'adore. Voilà, donc ça va être trop bien. Et on se retrouve juste après la coupure musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble, c'est Jessica sur le 92.1 sur radiograndlac.com. Il nous reste une quinzaine de minutes ensemble pour votre émission Tendance Déco. Je suis toujours avec Amandine, AP Décoration, qui nous a fait partager son expérience de décoratrice d'intérieur. Il nous reste un peu de temps pour parler d'un thème que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui. C'est le thème des couleurs. Oui. Voilà. La couleur. Oui, parce que oui, c'est vrai que quand tu m'as invité à participer à cette émission, tu m'as dit, quel sujet aimerais-tu aborder? Et puis c'est vrai qu'on arrive sur le mois de décembre, les commerces, la Noël, on est déjà bien immergé dans les commerces avec c'est Noël. Clair. Et c'est vrai que Noël apporte de la couleur dans nos intérieurs. Mais au-delà de ça, la couleur, on aurait pu parler de la couleur pendant les fêtes de Noël, mais au-delà de ça, la couleur nous entoure dans notre quotidien et on a besoin de la couleur et les couleurs en général nous influencent. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, c'est ça. On interagit avec la couleur. Et du coup, voilà, je voulais parler un petit peu de cette influence des couleurs. Voilà, donc j'y vais. Allez, feu, on a envie de tout savoir. Ouais. Alors, c'est vrai, on a déjà abordé les couleurs, mais je trouve que c'est toujours bien parce que on a des infos comme ça qui viennent et qui repartent. Ouais. Et le fait de les marteler, c'est aussi ça, Tendance Déco, c'est des astuces, comme le dit le jingle, hein, des astuces pour votre intérieur, des astuces déco, ouais. et de marteler tout ça et de parler des couleurs, c'est chouette. Mais là, en fait, on va aborder la couleur non pas par... effectivement, après, c'est l'exemple déco, vraiment l'influence qu'elles ont sur nous. Parce que la couleur, ou plus exactement la perception colorée, c'est une longueur d'onde en fait, oui. et c'est aussi un transfert d'énergie. Donc on interagit, comme je disais, qu'on le veuille ou non, on interagit avec les couleurs. Et tout un tas d'études démontrent à quel point la couleur elle influence nos perceptions et nos comportements. Par exemple, concernant la perception de la température ambiante, les différences elles sont impressionnantes entre les ambiances chromatiques chaudes et froides. Rouge et bleu, voilà. Et ça, il y a tout un tas d'études, qui le démontrent. Et notamment, il y a une étude qui a démontré des ouvriers qui travaillaient dans un atelier à dominante rouge-orange, ont une impression de température ambiante supérieure de 3 à 4 degrés. C'est énorme. à celle d'un atelier peint en bleu ou vert. C'est une boisson chaude, par exemple, elle paraîtra plus chaude dans une tasse rouge. Que dans une tasse verte et surtout bleue. C'est pour démontrer que la couleur nous influence.
Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, hein, si vous voulez faire des échos d'énergie, hein, on est à... on va tout miser sur les et couleurs chaudes. On va acheter un pot de peinture de couleurs chaudes et on baisse notre thermostat. Parfait, on sera tous à 19. Tous des bons élèves. Voilà, oui, parce que ce que tu dis, donc les tasses vertes, rouges, etc. Il faut bien penser, et je pense aux personnes qui nous écoutent, que effectivement les couleurs sont classées en deux catégories, des chaudes et des froides. Donc voilà, pour appuyer ce que tu dis. Ouais. Donc ça, voilà, les couleurs chaudes, les couleurs froides, on a pas, et chaque couleur vraiment spécifiquement a ses influences. Donc là, on parlait de Noël. Effectivement, il y a le rouge de Noël. C'est la couleur qui est chaude et activante et énergisante par excellence. Par excellence, voilà. Et le Feng Shui recommande d'ailleurs le rouge dans la zone réputation de l'habitation. Donc le salon, le bureau, parce qu'elle favorise l'échange et elle incite à la discussion. C'est une couleur, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'augmente la température ressentie d'une pièce. Et cette couleur, elle ouvre l'appétit. Donc on va l'utiliser, par exemple, dans une cuisine, dans les restaurants, c'est intéressant. Et notamment dans les restaurants, la fameuse nappe rouge quadrillée, voilà. Elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard, vous le saurez maintenant. Donc voilà, bon, on parle de la couleur rouge, mais bon, le spectre est large, parce que voilà, ça va être tous les ocres, les orangés, les terracotta qui sont... hyper tendance. Qui sont tendances. Que j'adore. Ce sont des couleurs chaudes et voilà, qui augmentent la température de notre intérieur. Donc, pour des personnes qui sont frileuses, allons-y. Misez tout là-dessus. Oui. Donc, après, si on prend la couleur opposée dans le cercle chromatique, c'est le bleu. Et le bleu, c'est la couleur créative par excellence. Elle donne une sensation de plénitude, d'harmonie avec l'environnement qui nous entoure. Donc elle, en décoration, elle va être plutôt recommandée dans les chambres de ceux qui ont du mal à s'endormir. Voilà. Elle est plutôt sédative, donc on va pas l'utiliser dans une chambre d'ado qui, par exemple, a du mal à se réveiller le matin. Par exemple. Voilà. Pour l'ado, on va plutôt s'orienter vers les couleurs chaudes qu'on a évoquées tout à l'heure à dominante rouge. Tout à fait. Voilà. À éviter quand même dans une chambre d'un ado, peut-être. Oui, mais alors, c'est vrai que le rouge fait peur. Alors, effectivement, pardon pour revenir là-dessus. Ouais. Et je le dis en plus souvent, attention quand on parle de couleur dans une pièce, n'allez surtout pas imaginer les murs peints tout de suite en rouge. Voilà, on ne parle pas de quatre murs, de remplir la boîte de rouge, et notamment rouge, orangé, ocré, terracotta. Voilà. Oui, tout à fait. Plus on va vers une couleur qui est forte, et notamment le rouge, plus on va l'utiliser simplement en touche, parce qu'une touche de rouge va avoir énormément d'impact. et justement, pour contrebalancer ce rouge, on peut utiliser... justement la couleur opposée dans le cercle chromatique, et les couleurs opposées matchent toujours. De toute façon. Donc bleu, effectivement, il y a les goûts, est-ce que ça nous plaît ou pas, mais en tout cas, travailler en complémentarité. Voilà, effectivement, après, il y a les goûts des clients, mais c'est vrai qu'on a abordé le thème des couleurs, parce que ça peut être une façon d'aborder la décoration. On peut se dire, on va axer la décoration, notre décoration chez nous, par rapport à ce que la couleur... va apporter parce qu'on a on est influencé par la couleur, donc on veut aborder la décoration comme ça chez nous, mais voilà, c'est une façon d'aborder la déco, les couleurs, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qu'on veut retrouver chez soi, ce qu'on a envie, comment on veut se sentir, etc. Voilà. Parce que dans une zone de travail, par exemple, on peut, on parlait du télétravail tout à l'heure. Si on veut réellement définir un espace dédié au télétravail et qu'on n'a pas, de pièce dédiée, on va peut-être, pourquoi pas, se placer dans un angle et aller, déterminer une couleur spécifique pour cette zone de travail et pourquoi pas le bleu qui est zen attitude ou le vert parce que le vert, alors là pour le coup le vert c'est la couleur de l'équilibre parce qu'elle se situe au milieu du spectre visible entre l'infrarouge et l'ultraviolet, et cette couleur elle rassure et elle apaise parce qu'elle fait baisser la pression sanguine. Voilà, donc c'est la couleur du calme. Du calme par excellence. Elle ressource, elle apaise, elle apporte de la sérénité. Et elle est idéale justement dans les ambiances de travail.
Et notamment dans les espaces de travail où il y a du stress. Où il y a du monde dans les eaux, voilà, c'est ça. Voilà, elle apaise. Dans les lieux de lecture, dans les bibliothèques, ou chez soi, voilà. On a envie de calme. On veut lire un bon bouquin. On se met une ambiance verte. C'est ça. Alors, on peut le faire, vous pouvez le faire, parce que je vous entends, je suis sûre que vous dites « Oui, mais comment on fait pour se mettre dans une ambiance verte ?» Il existe des lampes où vous pouvez travailler la chromothérapie. Tout à fait. Et ça peut être une solution. Tout à fait. Voilà. Ouais. Mais dans les bibliothèques, d'ailleurs, on a ces lampes vertes. C'est ça. Et puis, toujours pour revenir sur l'influence de la couleur, on dit que le vert active l'imaginaire. Et c'est pas pour rien qu'on a énormément de lecteurs, de gens qui lisent dans les parcs. C'est ça, ouais. Entouré de verdure, parce tout que c'est ça aussi les arts décoratifs. Alors, je vous reparlerai de ça sur une autre émission, certainement en début d'année. Les arts décoratifs dans l'ensemble, on va dire, puisqu'on va aussi se baser là-dessus. Mais c'est ça, au final, ça peut être aussi la nature. C'est une grosse source d'inspiration. Ah bah c'est la source d'inspiration, d'ailleurs. Ouais. Mère nature. En tout cas, au niveau des couleurs, donc ce que tu disais, le petit focus sur ces couleurs-là, j'espère que tout le monde a bien noté le vert, le rouge, le bleu. Après, on aura l'occasion de détailler. Les couleurs. On se programme une émission où on revient à nouveau sur les couleurs, la force et l'impact des couleurs. Quoi miser, dans quelle pièce, etc. On pourrait effectivement refaire une émission et détailler tout ça. Oui, pourquoi ? Parce qu'on pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler très longtemps. C'est un vaste sujet. Ah non, mais complètement. Et je suis sûre que, alors pour en avoir déjà fait plusieurs sur ce sujet-là, je suis sûre que c'est pas de trop que d'en refaire une et de se dire, ben, la force des couleurs, c'est comme je disais, une piqûre de rappel, de se rappeler, ah oui, tiens, j'avais déjà entendu ça. C'est important finalement de... Ouais. Des astuces déco, on est là pour ça. Ça tombe bien. Amandine, il est bientôt 14h. Déjà. C'est passé trop vite. Mais oui. Oui. Tu vois, on est bien ici. Voilà, je savais qu'on allait être bavarde. Et encore, on se retient, je vous le dis. Donc, l'idéal pour clôturer cette émission serait que tu nous parles des moyens de contact si des personnes écoutent et ont envie de te contacter. Oui. Très bien. Et ben, alors moi je suis. Alors vous pouvez me contacter par téléphone, par mail. J'ai un site internet sur lequel vous retrouvez donc un lien de contact. Mon adresse mail donc c'est mes initiales AP Déco Design tout attaché @gmail.com ou par téléphone. Je donne mon numéro de téléphone. Allez. Le 06 89 60 21 13. Normalement, les personnes qui écoutent Tendance Déco ont de quoi noter. Donc, normalement, ils et elles ont noté tout ça. Par rapport à ce que tu nous disais sur les couleurs, etc., on va se programmer en off, là, dès qu'on aura rendu l'antenne, on va se programmer une date sur 2023. Génial. Puisque pour Tendance Déco, il nous restera une seule émission avant... la fin 2022, ce sera dans 15 jours, donc mardi, je sais pas combien, décembre, de 13h à 14h, ce sera la dernière 2022. Je vous réserve un petit truc sympa. Et puis, on aura ensuite le loisir et le plaisir de se retrouver en 2023, toujours pareil, le mardi, de 13h à 14h. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, on pourrait dire quoi ? Que décorateur d'intérieur C'est un chouette métier. C'est le plus beau ou pas ? Non, je sais pas. C'est celui qui nous correspond. C'est celui qui nous correspond. Et en fait, c'est chouette parce que justement, on apporte aux gens à leur intérieur et on apporte du bien-être. C'est ça. On partage un bout de vie, on partage un chapitre de vie et la meilleure récompense, c'est ça. C'est de se dire qu'à la fin, ils sont contents. On voit le sourire. Oui. Ouais. On a transformé leur vie. Merci encore une fois, Amandine, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Eh ben, merci à toi, Jessica. À très vite. On va se rebloquer une date pour 2023. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dans 15 jours dans votre émission Tendance Déco sur le 92.1. Bonne semaine et à très vite.